Coucou la team Chouan, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le mariage de Vital qui a fait un grand boom. Apparemment, ce n'est pas du buzz. Internet s'est encore trompé. Bon, pour le moment, on ne sait pas. Regardez la sensualité du bisou. On se retrouve après le générique. Comme on le dit en jargon ivoirien, bim de ça. Déjà, si c'est la première fois que tu passes par là, je t'invite à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des vidéos que je poste en ligne. Je suis Candice Showall et bienvenue sur ma chaîne. Vital alias la Beyoncé d'Afrique avait annoncé en grande pompe son mariage. Mais Internet s'est une fois emballé en pensant à un buzz, à un clip. J'ai moi-même fait une vidéo comme quoi pour dire que bah, il y a des petits indices qui pensent que c'est un clip. Mais il n'en est rien, ce n'est pas un clip, c'est du concret, c'est du frais, c'est du waouh, franchement. Ils étaient vraiment magnifiques sur le plateau de télé. Leurs bisous en disaient long. On peut embrasser quelqu'un comme ça. On peut se manger la bouche comme ça. Bon, bref. Qui est le mari de Vital, alias la Beyoncé d'Afrique? Il s'appelle Momo Wang, de son vrai nom, Aka Moïse Yang Alzuma. Il est auteur, compositeur, arrangeur, beatmaker ivoirien. Mon anglais, hein, ça fait... Beatmaker. Il a arrangé beaucoup d'artistes tels que Aya Nakamura, Tour de Garde, Kérosène et Mr. Leo. Selon certaines pages de la place, il y a beaucoup de zones d'ombre. En tout cas, le mariage se serait fait sans gâteau ni réception, encore moins la présence des parents des mariés. Selon les internautes qui l'ont constaté, l'auteur de Boom Boom, c'est-à-dire notre Beyoncé d'Afrique, s'expliquera peut-être sur les détails dans une autre vidéo. Franchement, on attend vraiment cette explication-là. Comme je le dis, quand on veut faire un affairage, il faut le faire bien. Il faut mettre les photos, la coupure du gâteau, la réception. Bon, peut-être que cela viendra après. Félicitations encore à notre Vivi d'amour qui a fermer l'épisode Suleiman Kamagaté. Concernant le couple Kamagaté, Bamba Amisara a publié un message sur sa page Facebook. Je vous le dis, juste pour avoir de la visibilité, vous inventez des choses, des mensonges, c'est-à-dire dommage, ouais, ami, il faut qu'ils disent ton nom pour donner de la valeur à une chose. Et bon, avec plein de fautes à la pluie aussi. Ce message-là, selon Bamba Amisara, elle a dit qu'elle ne s'adressait pas à Vital. Selon vous, mes chers abonnés, à qui était adressé ce message-là? Je vous laisse le dire dans les commentaires. C'est ici que s'achève la fin de notre vidéo. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et si tu as aimé,